Allô, je m'appelle Marie-Ève Jacob, je suis aux communications du Festival de musique militaire et je suis en très bonne compagnie. Cette année, au Festival, on a vraiment eu des nouveautés intéressantes qu'on va certainement développer dans le futur. Entre autres, aujourd'hui, les géants. Monsieur Lamontagne, Monsieur Forbes, c'était extraordinaire de les voir. En plus d'avoir un géant qui est encore vivant, Monsieur Lamontagne était super ému. Donc, c'est sûr qu'on reprend l'expérience l'an prochain. Les gens, ça les a émerveillés. En plus d'avoir les musiques, de visuellement, c'est impressionnant. Aussi, les journées familiales, on avait une nouveauté avec les mini-défilés. Donc, on a eu des jeunes qui ont appris les premiers maniements de parade. Puis, beaucoup de participation ce matin. Donc, ça aussi, c'est certainement un concept qui va revenir. Puis, l'expérience au tatou militaire. On voulait prouver que la musique, c'était un langage universel. Puis, c'est certainement chose accomplie. On a prouvé cette année avec toutes nos différentes cultures qu'on était capable de monter un show très rapidement puis de faire une expérience avec des jeunes musiciens, relever ça au la main. Super contente, ça a bien été, ça a été le fun. On avait des nouveaux pays cette année, puis ça a amené beaucoup de couleurs au festival. L'Italie, ça a été génial. Les Italiens sont vraiment des bons joueurs, super sympathiques, même si on ne parle pas le même langage. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Cette année, on a été gâtés avec les Italiens. La police de New York qui est venue, c'est la quatrième fois qu'ils viennent, puis ils nous adorent, ils prennent leurs vacances quand même pour venir à Québec. Donc, les autres, ils ont eu beaucoup de plaisir sur Georges V. Puis, quoi dire des Russes? On a eu peu de communication, parler avec les Russes, mais le corps parle beaucoup et ils ont l'air extrêmement contents. Donc, le festival, on est content de ce qui s'est passé. La population de Québec a vraiment embarqué aussi. Le défilé aujourd'hui, c'était plein à craquer. On a eu beaucoup de monde pour les journées familiales. Donc, c'est le fun. Puis le Colisée, on est en coulisses du tatou. Ça bouge encore beaucoup. C'est la dernière soirée, mais on a une assistance formidable. Là. C'est, la foule se lève, puis le Colisée est plein. Donc, on est content.